Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes semaines et que les tirages, enfin les différents tirages que je vous ai proposés vous ont convenu. Donc nous voilà pour un nouvel horoscope pour la semaine du 17 octobre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc une part, la fin des balances, un troisième décan, et le tout début des scorpions, le 23 ou 24. Donc ça, donc vous avez pu le remarquer que je vous ai proposé plusieurs petites capsules avec des tirages au choix, donc ils sont complètement intemporels. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, vous pouvez choisir les trois tas ou un seul, enfin selon votre ressenti, selon votre intuition, hein, mais sachez que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc cette semaine, quelques petites nouveautés, hein, je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées de côté, notamment la numérologie, donc en début de chaque signe, vous aurez un numéro avec sa signification, ainsi qu'une carte avec un animal, hein, donc avec l'oracle de l'esprit des animaux. Donc là aussi, vous aurez une explication, une symbolique. Donc voilà, des petits changements à ce niveau-là. Sinon, bah, je remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette semaine, il y en a eu pas mal de nouveaux. Et de nouvelles, donc ça fait toujours plaisir de voir ce petit chiffre augmenter, hein. Ensuite, bah, merci à tous vos commentaires, hein. Il y en a eu pas mal cette semaine, apparemment vous avez pas mal apprécié le tirage, donc continuez à liker, partager, hein. plus vous serez nombreux, mieux ce sera, et puis je pourrais vous proposer d'autres choses encore, des directs live à partir de 1000 abonnés, c'est déjà, il y a des possibilités qui sont autres. Sinon, je regarde mon anti-sèche. Oui, donc je vais aussi vous continuer bon, de vous proposer des tirages avec des choix, puisqu'apparemment ça vous plaît bien. Donc avec des thèmes différents. Donc si vous avez des thèmes à proposer, bah, n'hésitez pas à me les communiquer. Sinon, je vais tâcher aussi de faire, bon, selon mon temps et mon planning, de voir si je peux pas vous proposer des petites capsules, bon, pas forcément en relation avec le tirage de cartes, mais sur des thèmes, hein, que ça soit les chakras, la méditation, les synchronicités, la loi d'attraction, hein, des petites capsules qui dureront pas très 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 longtemps, mais qui peuvent être intéressants et nous permettre d'échanger. Et puis vous aussi, vous pouvez suggérer certains sujets pour voir ce que mon avis à moi. Hein, c'est comme on dit, on a chacun notre vérité, donc ça peut toujours être intéressant pour le partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, cette semaine, un petit tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. D'autres jeux que j'utilisais plus. Et donc, voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc, une très bonne écoute, et comme d'habitude, et là, tout est toujours là. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle réellement. Hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et là, au même temps, je vais aussi vous proposer votre signe opposé. Hein, donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce signe opposé au moment de votre naissance. Voilà, namasté. Namasté les cancers. Alors, petite nouveauté pour cette semaine. Je vais vous lire un message des archanges, un mini-oracle. Donc, c'est un côté plutôt zen, spirituel, développement personnel. À vous de voir en ce en quoi vous croyez ou en qui.
Alors, vous avez eu l'archange Melchisédek. Deck, pardon, Melchisédek. Correction des situations déplaisantes. C'est déjà une bonne chose. Hein. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, ou en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voyez, donc cette semaine, sur le plan spirituel, sur le plan... Bon, après, vous pouvez prendre même d'une façon plus générale, vous allez vraiment être dans une bonne dynamique. Ou si vous vous fiez à votre intuition, si vous écoutez un petit peu, après tout dépend comment vous percevez les choses, hein, autour de vous, il y aura toujours des petits trucs qui vont venir vous faire prendre la direction, vous faire dire les bons mots, de vous faire mettre en action les bonnes actions. D'accord? Ensuite, donc, pendant que j'y pense, les cancers, votre opposé polaire, c'est le Capricorne, c'est-à-dire le signe opposé au moment de votre naissance. Donc si jamais... Le signe principal ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir ce signe-là, ça pourra donner peut-être des informations. Donc le Capricorne, en plus de votre ascendant. Donc ensuite, vous avez eu avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez eu un beau dauphin. Donc ça, vraiment, il y a vraiment, cette semaine, on a l'impression que vous allez vraiment être connecté avec votre entourage, avec, on va dire, l'invisible. Donc vous allez fier, bon, vous fiez beaucoup à votre intuition. Donc au niveau comment dire, du dauphin, il y a ce côté en même temps aussi de communication, mais de médiateur. Hein, il y a vraiment, vous allez être, on va dire, le pion central, la pièce maîtresse d'une situation qui va faire que, bon, par vos décisions, par vos actions, par vos connaissances, par vos expériences, vous allez vraiment être le centre d'intérêt d'une certaine situation, après à vous de voir. Donc, en même temps, au niveau numérologie, je l'ai dit, vous avez eu le 2. Donc, c'est tout ce qui concerne l'union, enfin l'union, le fait d'être avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous allez être vraiment entouré cette semaine. Hein, donc c'est tout ce qui est association. En même temps, il y a le côté diplomatique. Donc je vous dis, pardon pour cette toux. Il y a vraiment ce côté où les gens vous font confiance, savent que vous avez les bons arguments, que vous avez les bonnes informations, que vous faites les bonnes actions, que vous êtes, il y a vraiment ce côté, vous avez une bonne réputation qui fait que vous êtes un bon négociateur. Hein, il y a vraiment ce côté d'échange et en même temps d'unification, d'union, pardon, excusez-moi, d'union. Et d'union pour avoir une certaine force. Hein, donc voilà, on va voir après le reste des cartes. Si ça parle ou pas, excusez-moi, je cherchais mon mot. Hein, donc, mais il y a vraiment, voilà, cette semaine, c'est ça qui va dominer. Donc, avec l'oracle de la vie au quotidien, pardon, vous avez eu place à la renaissance. Donc, voyez, est-ce que vous avez des projets qui font que, bon, avec une association, enfin bon, c'est pas, vous n'êtes pas tout seul hein, dans ce qui va se passer. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Vous voyez, donc vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, dans une bonne harmonie. Hein, et donc, c'est peut-être ça aussi qui fait votre force parce que il y a une période plus ou moins bien, hein, on va dire ça comme ça pour être positif, qui se termine. Hein, donc, vous allez tourner une page. Et où vous allez vous relancer dans quelque chose, pas forcément de nouveau, mais de meilleur, ça c'est sûr. Et donc, bon, vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de projet-là. Hein, ça peut être aussi changement de maison, changement de boulot, hein, à vous de voir. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le lanceur de filet. Voilà ce que ça raconte. Les préparatifs portent leurs fruits. Vous voyez, vraiment, on a l'impression que vous arrivez à un moment crucial, hein, où bon, peut-être que vous étiez dans un moment d'attente, hein, parce que vous attendiez le dossier ceci, que vous attendiez l'accord de cela, que une situation s'améliore pour pouvoir avancer. Hein. On a l'impression que vous étiez dans l'attente, où il vous manquait quelque chose, et maintenant ça y est, c'est arrivé, la situation va se débloquer, elle va se finir pour entamer quelque chose de nouveau, mais je vous dis, il y a toujours ce côté, en même temps... comme si maintenant que vous êtes dans ces conditions-là, vous pouvez faire appel à vos troupes, entre guillemets. Donc il y a vraiment ce côté, allez, bon, j'ai besoin des gros bras là pour le déménagement, j'ai besoin
de temps d'employé pour tel projet. Vous voyez, il y a vraiment. Là, vous êtes maintenant, vous êtes dans les starting blocks et vous partez. Et donc, en même temps, il y a ce côté d'union, d'union qui fait une force. Hein. Il y a vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Alors, ça peut être avec deux, trois personnes. Hein. C'est pas forcément 15 ou 20 personnes, mais il y a vraiment ce côté de rassembler des gens autour de vous pour pouvoir. Allez, on y va. Ça y est, maintenant c'est bon. Je suis prêt. J'ai obtenu ce que je voulais. On y va. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de, on va dire un petit peu de leadership, de meneur ou de meneuse. Hein. Il y a vraiment. Mais c'est toujours il y a toujours le côté de la médiation, de la diplomatie. Vous voyez, vous savez arranger les choses. Et c'est sans doute ça qui fait votre force et que les gens se rallient à vous ou à vos projets. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Bon, vous voyez, je pense que vous allez, du fait que vous allez dans des bonnes conditions, dans une bonne harmonie, une bonne osmose, vous allez être tel que vous êtes, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien pour vous freiner. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont. Ça y est, un cycle qui s'est terminé. Et là, vous allez vraiment être vous-même. Hein. Vous allez faire confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est créativité, tout ce que vous aviez envie depuis longtemps. Et là, vous savez que ça arrive et qu'il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Mais bon, qu'il faut quand même faire ce qu'il faut faire, à faire appel à d'autres, peut-être d'autres personnes pour justement pour vous aider à mener à bien toute cette situation-là. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'ermite. Alors, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Je pense que oui, après, vous arrivez à une situation où il ne faut pas non plus trop précipiter. Et aussi, comment dire. Et ça, on le retrouve avec le dauphin quand il remonte à la surface pour reprendre son souffle. Hein, il y a ça, donc c'est ça ce côté d'ermite, un peu, bon là, faut extrapoler, mais il y a vraiment, prenez le temps aussi pour vous de pas, bon, de pas trop, c'est pas de pas trop précipiter, mais attention de pas tout vouloir faire, de porter toutes les casquettes. C'est pour ça aussi qu'il faut vous entourer. Bon, je sais que vous êtes vraiment pris dans cette action-là, puisque vous êtes vraiment, vous en êtes où vous voulez arriver, et donc, mais sachez reprendre votre souffle. Hein. Attention de pas, bon, bah, de dormir assez, de prendre, bon, bah, je dirais pas forcément faire du sport, mais d'aller en forêt, de prendre des petits moments justement pour calmer les choses et puis bah, reprendre des forces aussi. Hein. C'est surtout ça, spirituellement, intellectuellement, physiquement. Et enfin, pour terminer, la carte mystère. Donc, vous avez eu confiance. Donc, je pense que pour vous, cette semaine, les cancers, c'est une excellente semaine. Mais ménagez-vous. Namasté.